que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos. Mais salut, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai eu en tête. C'est un sujet. Avant de commencer le sujet, bien sûr, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous. Je vais vous parler d'un truc. Quand j'ai remarqué, quand je sors avec des meufs, mais différents, c'est une autre. Quand je sors avec des meufs, mais différents, c'est une grosse différence en fait. C'est, par exemple, quand tu sors avec une première meuf, au début, tu fais pas tout son que l'amour, c'est. Au début, tu n'as pas conscience que l'amour, c'est dangereux. Tu joues avec elle. En fait, quand moi, je suis sorti avec une meuf, deux meufs, je suis sorti avec une première meuf, avec elle, c'était que des jeux, tu vois. C'était pas vraiment tout sérieux. Je jouais et tout avec elle. Moi, j'étais gamin que je jouais avec elle et tout, et en même temps, j'ai trompé quand j'ai sorti avec deux. Quand j'étais avec elle, je sortais avec une autre meuf qu'elle n'était pas au courant et tout. En fait, tu joues au début, quand t'es en couple, tu joues, tu fais pas attention, t'es pas mûr et tout, tu vois. Mais quand j'étais avec elle, en fait, c'était quand t'es avec une meuf, différente meuf, quand t'es avec une personne meuf, et la première meuf, c'est différent, elle fait. C'est comme si, comment dire. Comme si t'étais pas mûr, quoi. Comme si tu jouais avec elle la première fois, tu vois, tu fais pas tout ce truc, t'as pas conscience que l'amour est dans. L'amour, c'est. Ça. T'auras des sentiments et tout. Moi, tu joues et tout, des trucs comme ça. Donc, tu sors avec une deuxième meuf. Et là, t'as conscience que. Là, t'as conscience que l'amour est un truc. Par exemple, quand tu sors avec une première meuf, elle dure les 3 semaines, c'est un petit jeu, tu vois, tu joues avec elle. Des trucs comme ça et tout, mais derrière tu peux pas savoir qu'elle a des vrais sentiments en fait. Et quand tu es avec la deuxième meuf, c'est différent en fait. Quand les meufs en fait, je vais vous faire un exemple plus simple. Vous voyez les meufs sur les réseaux sociaux par exemple, tu la connais pas et tout, tu parles avec elle et tout, tu sais pas et tout, tu joues, tu dis. Tu joues, tu dis. Attendez, je vous reprends après. Tu joues et je vais faire un exemple. Quand t'es avec une meuf, par exemple, quand t'es avec une meuf dans les réseaux sociaux, tu sais pas si c'est un mec ou une meuf derrière, tu peux pas savoir. Et si elle dit ton vrai prénom, si elle dit par exemple Alicia, c'est que c'est un prénom d'une meuf, c'est que c'est une meuf. Quand tu sors avec une meuf, c'est quand tu sors avec une meuf des réseaux sociaux, tu la vois pas, mais quand tu sors avec une meuf RLN réelle, quoi, quand tu sors avec une meuf réelle, c'est que là tu la vois vraiment. Et c'est là la différence. Quand t'es avec une meuf dans les réseaux sociaux et que t'es avec une meuf dans. Quand t'es avec une meuf en réel, quoi, en réalité, c'est ça la grosse différence dans les jeux, dans les réseaux sociaux. Tu parles, tu dis ouais, je t'aime, chérie, et tout. Ça trouve, tu dis à un mec, je t'aime, tu vois, il faut pas, tu vois. Et quand tu vois en réalité, quand moi j'ai eu une meuf en réalité, la différence, c'est que c'est une grosse différence. C'est que. J'ai envoyé tous les week-ends, je lui disais oui, j'ai bébé, des trucs comme ça, j'ai envoyé et tout. On se faisait des câlins, des bisous, et c'était une vraie meuf. Il y a ta meuf devant toi, tu vois, c'est pas comme les réseaux sociaux. Et quand t'es avec une. En fait, il y a grosse différence, quoi, les meufs des réseaux sociaux et les meufs en réalité, c'est une grosse différence, faut faire attention. Moi, je suis sorti avec une meuf réelle. Et ça m'a duré 9 mois et 3 mois, elle m'a fait changer en fait. La première meuf, elle ne fait pas changer. C'est en fait, si tu veux, quand tu sors avec une première meuf, c'est que ça te joue, tu vois, t'es pas encore mûr, t'es mûr, mais pas beaucoup, tu joues, tu vois, tu joues à des trucs gamins. Et que quand tu es avec, quand t'es avec une deuxième meuf et elle te fait changer au bout de la deuxième fois, là, tu peux dire que ouais, l'amour, c'est comme ça, quoi. L'amour, elle fait changer, quoi. C'est truc de ouf en fait, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que tu trouves. Quand moi je suis sorti avec deux meufs réelles, je suis pas sorti avec des meufs de réseaux sociaux, deux meufs réelles. Je suis sorti avec une première meuf réelle, ça m'a duré 1 semaine, 2 semaines, mais avec elle c'était pas vraiment tout sérieux. Si, c'était tout sérieux et tout, on jouait. Tout moi j'avais pas encore des sentiments et jouer et tout, tu vois, c'était un peu différent.
Et que quand tu sors avec une deuxième meuf, là c'est différent. Tu joues pas avec elle quand tu la vois en vrai devant. Là tu fais le mec sérieux, tu fais le mec plus le gamin, quoi, tu fais le mec mûr. Et ce que ça, c'est que j'ai fait, ça, elle m'a fait changer. Ça m'a duré 2, 3, 4 mois par là, je sais plus combien de mois. Et en fait, en gros, si vous voulez vous dire, dans les réseaux sociaux et la réalité, c'est une grosse différence. Voilà. Dans les réseaux sociaux, il y a une meuf, ça trouve, c'est un mec derrière, et tu ne sais pas, tu peux pas savoir. Et les meufs dans la réalité, quand tu sors avec deux meufs dans la réalité, attention, il ne faut pas faire le bâtard. Quand moi, j'ai fait le bâtard. Il y en avait une, elle avait des sentiments, l'autre avait des sentiments, c'était un peu n'importe quoi. C'est pour ça, c'est une grosse différence dans les meufs. Franchement, la différence, c'est ça, c'est ouf quand même. Entre les réseaux sociaux et entre et la réalité, il y a une grande différence. La réalité, quand tu es avec une meuf, tu te trouves en face, tu dis pas, tu fais pas le gamin, tu vois, tu fais le mec sérieux, tu te dis oh non, toi tu fais le mec sérieux, tu sors avec elle, tu fais tes petits câlins, tes petits bisous, des trucs, t'es comme ça. Et moi je vous dis un conseil, sortez surtout, jamais surtout pas avec deux meufs. T'entends? Fais une vidéo. C'est gâteau. Vous voulez manger là? Ils sont pas fait rêver? Excusez-moi, je me comprends. J'étais à vous déjà. Ouais, voilà. Je parlais des meufs. Ouais. Dans les meufs dans les réseaux sociaux, c'est une grosse différence. Et les meufs en réalité, c'est une grosse différence. Et ne jouez jamais avec deux meufs en réalité, comme là, t'as beaucoup de problèmes avec deux meufs en réalité. C'est ouf, je vous dis ça, mais c'est vraiment la vérité. Comme par exemple, comme en fait, je vous explique, j'étais avec une meuf. En fait, je la connaissais pas. Il y a un pote à moi qui m'a fait connaissance. Et maintenant, je la connais depuis 5 ans, par là, 3 ans. Bref, je sortais avec elle et tout. On faisait connaissance et tout. Et à un moment, j'étais dans un spectacle. J'étais dans un spectacle et j'étais toujours avec la meuf. Mais j'étais dans un spectacle. Il y a une meuf, elle est venue. Et elle a voulu, vous voyez, elle a voulu m'embrasser, des trucs comme ça et tout. Et moi, j'ai fait une bâtard, j'ai embrassé. Même si c'était en couple, en plus, ça se voyait qu'elle avait encore des sentiments. En fait, le jour où je suis sorti avec la meuf, derrière, je suis sorti avec une autre, elle n'était pas au courant. Et c'était n'importe quoi, c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'amour, c'est pas un jeu, l'amour. Et moi, j'ai fait la gaffe de faire le jeu. L'amour, c'est pas un jeu. Et voilà, en gros, si vous voulez, c'est une grosse différence. Quand tu sors avec la première meuf et la deuxième meuf, en réalité, la première, si tu dis, ouais, tu es gamin, et la deuxième meuf, elle fait changer, t'es mûr, tu commences à bien être mûr et tout. Voilà. Excusez-moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous, et ce soir il y aura une vidéo, vous vous inquiétez pas, la vidéo, ah bah allez, ce soir il y aura une vidéo, vous allez kiffer sûrement.